I'm looking outside my window. I try to see where my luck goes. I just don't know how it's lived out. There must be some kind of plan. Every person could be you though. A pretty guy with a halo. But who am I kidding? Please now, I gotta realize that spéciale dédicace pour les Birkenstock noirs toutes pourries. Donc ça, c'était avant. Et ça, c'est maintenant. Et c'est quand même drôlement plus mignon. Voilà, voilà. Et sinon, pour info, ça fait plusieurs jours maintenant que je teste les NYX lingerie pour les paupières. Là, j'ai le argenté, le numéro 10 sur les yeux. Et vraiment, je suis fan. Je suis archi méga fan. Par contre, il faut absolument que je vous fasse ma vidéo haul Kiko parce que j'ai fait quelques petites trouvailles chez Kiko. Notamment, le même genre de produit que je n'ai du coup pas encore testé puisque j'attends de vous faire la vidéo pour me mettre à le tester. Et comme ça, je pourrais vous dire si je préfère ceux de NYX, ceux de Kiko ou si c'est sensiblement la même chose. Donc, j'ai hâte. Mais en tout cas, vraiment hyper facile d'utilisation et je trouve que l'effet est super sympa. Donc, très très bons achats. Je suis très contente. Et autre petite info au passage, et je suis en train de me dire que j'ai pas mis de blush et que du coup ça me fait un teint un petit peu tristounet. Les rouges à lèvres que je mets le plus ces derniers jours, ce sont des rouges à lèvres tout en transparence. J'ai le rouge là actuellement sur la bouche. C'est le 03 Fireball Pop de Clinique donc, et je les aime beaucoup parce que vous le savez, j'ai un souci de lèvres toujours déshydratées. D'ailleurs, je pense que vous avez dû remarquer que depuis quelques temps j'ai fait un gros effort, j'ai quasiment plus le problème de cette zone là qui est toujours sèche et qui me faisait toujours un peu comme une croûte et tout, mais c'est un gros travail personnel. Et puis à chaque fois que je touche mes lèvres, j'ai le chéri qui me dit arrête de toucher, donc il m'aide énormément à ce sujet et ça se voit quoi, ça fait vraiment du bien d'avoir les lèvres un petit peu moins déshydratées. Et voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup ceux-là parce que bah, ils sont tout en transparence, donc un effet assez naturel et même s'ils sont pas longue tenue, bah, du coup ils ne dessèchent pas les lèvres et voilà, je les trouve vraiment chouettes. Et le rose est pas trop rose, il fait vraiment subtil, c'est aussi ce qui fait que j'aime beaucoup les deux couleurs là. Et le rose du coup c'est le Springle Pop, le 08. Petit détail du jour, aujourd'hui j'ai décidé de porter le collier que j'ai eu pour mon anniversaire parce qu'en fait dans la boutique où on l'a acheté, la personne m'a dit que je pouvais aller sous la douche avec. Donc ça c'était un très bon point parce que je suis du genre à être un peu flemmarde sur ce genre de choses, donc quand je mets quelque chose j'oublie de l'enlever. Ah, il y a les chiots qui jouent dans le salon. Et bah du coup celui-ci je peux le garder sur moi tout le temps en fait, je vais pouvoir aller sous la douche avec et tout et c'est pas problématique a priori, donc adopté. Et pendant ce temps les garçons sont allés chercher un poulet rôti. Et du coup, on va l'accompagner de petits rôtis de pommes de terre, comme j'adore. Et tout ça accompagné d'une petite salade de tomates, oignons. Mais quelle mouche a piqué celui-ci? Mais reviens! Mais allez, reviens! Il est drôle. Mais et ça se mange pas ça. C'est de l'autre côté que ça se mange. Non, 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 non. Ici. Et à chaque fois que j'en remets un, il y en a un qui s'en va et qui vient après les baskets. Mais non! Mais ici! Voilà! Ils sont rigolos. Ouais. On voit bien les différences de couleurs maintenant. Oui. T'as vu? Il y en a deux clairs, un foncé et deux qui ont juste... Mais ils sont pas la même couleur non plus. Mais ils ont le dos un peu plus noir. Ouais. C'est rigolo. Et lui, t'as vu, le corps est foncé mais la tête est claire. Ouais. Et les pattes aussi. Mais en fait, deux, ils se ressemblent un petit peu plus. Un peu, ouais. Sauf que lui, il a la petite tache blanche. Ouais. Il mange vite. Oh, et alors, où est mon poupou? Oh là là, c'est mon poupou, ça. Ils sont rigolos, hein. Oui, ils sont drôles. Ils jouent, c'est incroyable. Oh, tu m'attaques, tu me manges. Oh là là, oh, c'est de l'échouille. Mais qu'est-ce que c'est, ces petits chiens? Attaque de chaussons. Ouais. Ils ont peur de rien. Attaque de tatane, voilà, fallait pas laisser traîner les tatanes. Oh, ça va pas non, tu me mords. Coucou petit Kiko. Oh, coucou. Et Tong aussi. Bah voilà. Allez, une Tong qui s'en va. Regarde, il est plus gros que lui. Tu sais qu'elle est plus grosse que toi. Dis donc, non, 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 c'est pas bien ça. C'est pas bien du tout. Non, non, non. Ouh. Regarde. Oh, mon petit bobo. Oh, petit il est bobo. En train de se faire les dents sur ta claquette là.
Tu veux me faire les dents? Non, mais il faut pas le laisser faire, il faut lui dire non. Tu veux que je me fasse les dents sur toi, moi? Petit cure-dent. Hein? Regarde, il a même pas peur. Oh, tu m'as mort, hein? Oh, toi, tu fais tes bisous. Oui, ah non, mais lui, là, c'est une petite terreur. Il a peur de rien. Oui, mon goût. Oh là là, petit kiki. Alors que celui que t'as, oui, c'est un monsieur Calinou. Non, 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 non. Viens ici, petite terreur. Petite terreur. Les coquinous. Viens-moi ça. Ah, ça y est, regarde. L'autre, il essayait de rentrer dans le chausson carrément. Oh oui, tu petit bobo. Qu'est-ce qu'il y a? Ils sont vraiment rigolos. Hein. Ouais, c'est drôle. Semaine prochaine, on va les faire vacciner. Ouais. Et oui. Il faut. Visiblement, ouais, c'est le temps. Hein? Ouais, ils ont l'âge. Pour aller rejoindre. Je me fais attaquer. Attends, regarde. Il y en a un qui attrape ta tatane. Et lui, il était... C'est qui d'ailleurs? C'est le petit garçon? C'est la petite fille? Attends. Je sais pas. Non, dis donc, je t'ai senti en train d'attaquer mes chaussons. C'est la pupuce. C'est une chippie aussi. C'est une chippie. Et nous, on mange quoi ce soir? Des pâtes avec de la crème et des lardons. Ah bah, c'est Loulou qui va être content. Ouais. C'est un de ses plats préférés. Yep. Coucou la crapule. Coucou. T'es prête? Demain c'est la reprise. T'es contente? Bah oui. Tu vas revoir les copines? Oui. Tu vas avoir de la piscine maintenant? Jusqu'à la fin de l'année scolaire en fait? Ouais, je crois. Je crois que c'est ça. Je sais plus. Tu sais plus? Bon, en tout cas, j'espère que tu vas faire des gros dodos. Aujourd'hui, on se couche plus tôt pour essayer de réussir à se lever demain. Oui. Je sens que demain ça va être un petit peu difficile, mais c'est pas grave. On va reprendre le rythme doucement. Bonne nuit ma puce. Merci. Bisous. Crapule, à chaque fois tu vas me faire ça. Et tu ronfles en plus. Bonne nuit Loulou. Bonne nuit. Je suis trop petite pour aller te faire un bisou quand t'es là-haut, moi. On se moque pas, s'il te plaît. Bon, t'essayes de bien dormir parce que demain ça va piquer un peu, je pense, au réveil. Allez, à demain. À demain. Et voilà, demain c'est la reprise. Donc tout le monde est allé se coucher tôt ce soir. Enfin, sauf nous. Sauf nous. Mais on va pas tarder quand même. Au passage, je sais pas si vous aurez remarqué que j'ai un petit peu pris le soleil quand on est allé au bord de la plage. Du coup, je suis un peu rouge. Et pourtant, j'avais une crème avec un indice. Donc, ça devait taper plus que ce qu'on s'est rendu compte. Hein. Et donc voilà, j'arrive à la fin de ce petit vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Et en attendant le prochain, je vous envoie plein de gros bisous. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao. Salut.